Bonjour, moi c'est Djoubel Kijouza. Je suis étudiante en sciences environnement dans le campus Christophe Limon. Dans le cadre festival nature, éco-citoyenneté et engagement féminin, Sekari, la Couvenière et PHCHCL a organisé. Je vais parler de nous pour qui nous devons devenir éco-citoyens dans la lutte contre la pollution plastique et le changement climatique. Ça fait quelques années, l'environnement a confronté un plus gros défi. Les sécheresses, déforestation, pollution plastique, changement climatique, à l'autre temps. Mais n'a pas été sous pollution plastique. Qui ça veut dire? C'est l'utilisation en excès plastique une seule fois qui baille pollution plastique. Là. Mais il vient baille en pire conséquence. Tant. Menace pour faune marine. Là. Les bêtes l'en mer ont ingéré microplastique là, ils entraînent sa nourriture asphyxie. Ils perturbent l'écosystème terrestre aquatique là. Parce qu'il entre dans la chaîne alimentaire. Il fait un impact sur la santé, cause il entre dans l'eau à boire. Il participe à la dégradation du paysage là, parce qu'il faudra gâcher la beauté du paysage naturel milieu. L'émission de gaz à effet de serre qui sort dans le cycle de vie plastique compromet la capacité mondiale à garder la température globale, puis petit passer 1,5 degrés Celsius. Ça qui est une cause du changement climatique. Selon Greenpeace, rejet gaz à effet de serre qui sortit dans le plastique, capable de représenter en 2050 10 à 13% de la totalité du budget carbone qui retire. Non, sans ça, il faut que nous devenions des éco-citoyens. Parce que si nous ne agissons pas rapide pour nous diminuer la pollution plastique, là, nous ne sommes pas capables de mesurer des gaz. Cause, il est probable que l'océan ait plus de plastique que poisson dans quelques décennies encore. Si nous ne pas agir ensemble, l'environnement a continué de détériorer. Comme ça, n'a pas compromettre ni la vie nous aujourd'hui, ni la vie génération future. Mais nous avons le pouvoir pour nous porter des changements positifs. Côté que n'a pas amélioré la situation juste pour nous aboutir à un changement global. Non sans ça, nous avons quelques propositions solutions. Premier bagage, réduction plastique à usage unique. N'a pas juste utilisé des sacs réutilisables. Deuxième bagage. Recycler et puis gérer Fadraio. Na prier Fadraio côté que produit bio nous ka utiliser au dans compost plastique yo nous ka faire produit artisanal. Troisième bagage, sensibilisation et éducation. Informer tout grand public là de gros enjeux planétaires. Cinquième bagage, soutien aux initiatives écologiques. Faire quelques opérations nettoyage tant pour dans zone côtière. Préservation ressources nous. Depuis nous limiter l'utilisation plastique, nous avons réduit la dépendance à la combustible fossile nous utiliser pour produire. En nous engageons nous depuis qu'on y a dans la lutte pollution plastique à changement climatique. Chaque petit bagage vous fait montrer que vous êtes un éco-citoyen. Ensemble, nous sommes capables de faire la différence là, et puis construire un avenir durable pour nous tous. Merci.